Hey, chérie, chérie. Oh, hey, Chad. Sais-tu qu'est-ce que ça veut dire, Jean? Ouais, oui. Ça te tente-tu? Non, mais hey, ça te tente-tu, dis-le donc. Hein? Oh, oui, donc. Oh, mon amour. Oh, oui. Oh, oui. Hey! Quoi? Hein? Je te chatouille. Hein? Oh. Oh, oui. Ah, oui. Ah, oui. La lumière. La lumière, je vais aller le teindre. Une minute. Maudite lumière. Ben, le temps. Maudite lumière, c'est à l'autre bout de voir là-dessus. Oh, maudite lumière. Faudrait faire la prof. Ah, t'es belle. Oh oui, t'es belle. Hey, t'as la peau douce. Ouais, plus que douce, t'es glissante. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, oh, c'est ta crème de nuit. Oh. Enlève-la, mon amour. Hein? Ouais, puis devrais enlever tes bigoudis aussi. Hein? Ah, ça te prendrait des Kleenex pour ta crème de nuit, ouais. Ils sont là-bas. Ouais, je vais aller en chercher. Maudit Kleenex. Puis maudite lumière, oui, rien, mais c'est. Aïe, aïe, qu'est-ce que je viens de faire là? Ah, oh, qu'un livre là. Et ouais. Chut! Putain, mais maudite lumière. Maudit Kleenex. Maudite face avec. Oh, viens dans mes bras, mon amour. Aïe, aïe! Qu'est-ce que c'est ça? T'es pas obligé de mettre tes lunettes de soleil. Ah, tu veux pas que le monde te reconnaisse. Hein? Ah, détends-moi, ta chérie. Détends-moi, ma chérie. Oui, c'est ça. Ouais, c'est vrai, les murs sont échos. Ah, hein? Oh, laisse-toi aller. Mais non, pas trop bas. On va tomber en bas, voyons. Ah, mon beau bébé. Mon. Hein? Le bébé a perdu sa suce. Oh, oui. Oh, ouais, je vois. On va y aller. Oh, attends. Maudit bébé. Maudite lumière avec. C'est qui est ce bébé-là? Côté des Kleenex, juste à côté de la lumière, qu'on voit plus. Ok. Oh, mon petit bébé. L'as-tu eu, ça, ça? Bob. Oui, on est bien, hein, mon amour. On est tout seul, tous les deux. Hein, ma chérie? On est bien, hein? On relaxe, hein? On relaxe-tu? Dis-le donc, mon petit bain. Aimes-tu ça? Oh, que c'est ça, que c'est. Chérie. Chérie. Non, voyons. Chérie. Hey! Pitou! Hey! 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 Mais non, mais. Voyons donc pas! Pour souper.
je fais les travaux domestiques. Pense la balieuse sur les planchers. Oh, si je pouvais m'en débarrasser. T'as débarrassé de ta femme? Non, non, la balieuse. Oh. Ma femme, elle n'aurait même trop peu. Non, non, mais écoute, Pierre, on parle de parler entre nous autres. Là. Mm. Comment tu trouves ça, le mariage? Ben, mon mariage, moi, ça a mal parti. Ça a mal parti? Ah oui, hey. En partant de la journée des noces, en sortant de l'église, là, tu sais, là, tout le monde nous garoche des confettis, là. Mm. Excepté ma belle-mère qui me garoche des roches. Ah oui, je te dis. Puis là, ma femme, ma femme, sais-tu qu'est-ce qu'elle me dit? Elle dit, Pierre, tu vas être fier de moi. J'ai trouvé le moyen d'économiser sur notre voyage de noces. Elle a trouvé le moyen d'économiser. Comment ça? Ah, il était tout seul. La semaine passée, là, je dis à ma femme, je dis, sors après-midi, sors, gêne-toi pas, vas-y, sors, mais tu reviens pour souper. Le souper va être tout à être prêt, mais t'as fait ça, moi. J'ai fait un souper à ma femme. Toi-même, t'as fait un souper? Oui, monsieur. Hey. J'ai préparé, sais-tu quoi? Ma recette spéciale de soupe aux œufs. J'ai fait de la soupe aux œufs. La soupe aux œufs? Ouais, c'est bon, ça. La soupe aux œufs? Ben oui! Tu sais, tu prends des œufs, t'enlèves l'écaille. Tu sais, t'enlèves complètement l'écaille, tout ce qui reste, tu le mets dans un plat. Ouais. Avec un léger soupçon de margarine. Ouais. Peut-être juste comme ça de sel. Juste, ouais. Comme ça. Pas plus que ça. Puis là, tu mets de l'eau, mets beaucoup d'eau. Tu mets peut-être, si ça te tend, là, mettons que tu aimes ça sucré un peu, tu peux mettre un peu de sucre. Pas beaucoup. C'est pas à conseiller. Pas en tout, ça sera pas bon. Pas bon. Non, n'ai pas mis pas en tout dedans. Ah. Puis là, tu laisses tout mijoter le tout pendant 6 minutes. Ça, c'est très important. C'est le secret de la recette. 6 minutes? 6 minutes. Des œufs, habituellement, c'est combien de temps? 3 minutes. On est combien, nous autres, chez nous? 2. 2 fois 3. 6 minutes. Ah, tu laisses ça 6 minutes. Puis là, j'ai fait un bon steak. T'sais. Comme plat de résistance, là. Ouais, en passant, il est pas mal résistant. Il résistait à tous les couteaux qu'on avait dans la maison. Puis là, comme dessert, j'ai fait de la mousse aux bananes. De la mousse aux bananes? Non, aux bananes. Premièrement, très important, il faut que tu prennes des bonnes bananes. Parce que tu peux pas prendre n'importe quelle sorte de banane. Il faut que tu aies des chiquitas. Faut pas commencer les affaires de prendre des vieilles bananes. Si ça prend des belles grosses bananes, des bonnes bananes, pas maganées, des belles bananes, là, tu sais. Je sais, mais... C'est très important que je te dis là, René. Non, je sais. Ça prend des belles grosses bananes. Chiquita, c'est très important. Je sais que c'est très important. Le vu à la télévision? Oui, oui. T'as vu l'annonce qui dit les bananes Chiquita sont pas égratignées? OK. Je sais, toi, ça te fait rien. Toi, chez vous, vous mangez de la scrap. Ben, je sais, les vieilles bananes, tout croche. Mais ça prend des belles bananes mues. Puis des belles bananes Chiquita, très important. Sans ça, c'est... J'en ferai vraiment de la... Je t'en ferai pas de mousse, c'est rien, OK? OK. Bon, en tout cas, j'ai fait de la mousse aux bananes. Tu passes ça dans un écraseur de bananes, les bananes. Mm-hmm. Puis là, tu passes ta banane dans un bout. Puis là, elle passe à travers l'écraseur, puis elle sort tout écrasée, crois-tu? Oui. Banane Chiquita, très important. Oui, je sais. Parce que si tu prends pas une banane Chiquita, si tu prends pas les bananes qui sont enveloppées au début... À la manufacture! Oh. Avant t'en ai... Tu sais pas qui touche aux bananes, hein? OK, c'est correct! Là, c'est correct! Là, la banane, OK! OK, les bananes, OK. Laisse faire les bananes, là. Ta femme, tu as aimé ça, leur pas? Je le sais pas. Comment tu sais pas? Vois-tu, steak qui a pris en feu. Puis là, ben, je l'ai échappé dans la mousse aux bananes. Puis là, ben, il a fallu que je prenne la soupe aux œufs pour l'éteindre. Oh. Ben, qu'est-ce qui est arrivé? On a mangé un peu de peanuts avec des toasts, puis un petit peu de Kool-Aid. C'était bon. En tout cas, je vais te dire une chose, mon Pierre, c'est que les repas, là, à la maison, c'est ma femme qui fait ça. Je m'occupe pas de ça du tout. Moi, je m'occupe du budget. Non. Le budget, ouais. C'est moi. Ah oh, ben. Y en a-t-il un budget chez vous? Oui, on a un beau petit à 2 mois, un beau petit budget, là. Puis là, je donne une petite graine, puis... Non, il chante ça, là. Voyons donc, Pierre. Encore une petite graine, puis... Pierre. Voyons. Et budget. Un budget. Ouais. Ah, ouais, on a un budget. Ouais, ben, puis qu'est-ce qui s'en occupe? Ben, vois-tu, c'est moi qui fais la plus grosse part, hein? Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Moi, je travaille, moi, je gagne l'argent, j'apporte l'argent à ma femme. Ouais. Puis, ben, elle s'occupe de tout. Tu donnes ça à ta femme, puis c'est elle qui s'occupe. Ben, elle s'occupe de tout. Moi, je fais rien là-dedans. Ah, bon. Mais là, je venais après une bonne. Pas plus tard que la semaine passée, tu sais, qu'est-ce que j'ai su? Qu'elle m'a dit? Non. J'avais eu une augmentation. Il y a 2 mois. Arrête, je savais pas. Ça n'est pas sûr. Non. Elle me l'avait pas dit. Mais dans le moment, là, on dirait que chez nous, il y a un gros manque d'argent. Le budget chez nous, là, c'est trop serré, je te le dis. Ben oui, mais comment ça? Comment est-ce qu'il est arrangé, votre budget? Ben vois-tu, j'ai 30% pour le loyer.
Ça, écoute, loyer, il faut le payer. Oui, hein? Ça, écoute. Bon, 30 % Ouais. Là, après ça, j'ai 30 % pour le linge. Parce que j'aime bien ça, ben, être bien habillé, comment tu dis? Oui. Je me suis acheté un beau parka pour l'hiver, un beau chandail de ski. Ouais. J'ai des beaux grands pas. Je ne parle pas de ski, mais j'aime ça être habillé à la mode. Ouais, ouais. J'ai des belles bottines en loup marin, un paquet d'affaires. 40 % aussi, 40 % pour le manger. Ah, ça, c'est important de bien manger. Ah, oui. Parce que chez nous, on dit, on a fait, on mangeait le meilleur sort, les meilleures marques, hein, que la viande dans la viande verte, là, qu'ils appellent, là. La viande dans le vert. Rouge. Dans le rouge, ouais. Ah, oui, c'est ça. 30 % le loyer, 30 % pour le linge, 40 % pour le manger, bon, 25 % pour mon char, 20 % pour le char de ma femme, on reste en loire de la ville. Ben oui, mais là, ça là je mets 10 % en banque, ça, j'y touche jamais, non, ça reste là à l'année, bien, les intérêts. Plus. Puis là aussi, j'ai 20 % pour les amusements. Un gars a le droit de s'amuser, ben il faut oui, s'amuser je dans la vie. Mais écoute, 18 à 22 % ça peut varier. Ben oui, mais j'ai 15 % pour les assurances. Oui, mais toutes mes assurances, c'est assuré pour le feu, pour le viol. Pierre, tu as arrêté? T'es rendu à 190 %. Tu lui as dit aussi que le budget chez nous était trop serré. Dans le fond, on veut dire, le mariage, par exemple, ça a ses bons côtés. Ben, écoute, moi, je me rappelle une fois, là, ma femme et moi, on s'était assis sur le sofa, puis là, on regardait la télévision avec un petit bol de reste comme ça, tu sais. Puis là, elle s'est tassée sur moi. Tassée bien. Oh, elle était tassée, collée. Elle était assise sur moi. Elle s'est assise sur moi, elle m'a parlé dans mon oreille. Elle murmurait, elle dit, nous allons avoir un bébé. J'ai dit, vite à l'hôpital, ça presse! Vite! Elle dit, attends, c'est dingue dans le mois, je vois, c'est vrai. J'étais trop énervé sur le coup. Je savais que c'était dingue dans le mois, mais plus fort que moi, comprends-tu? Mais là, je me rappelle d'une fois, par exemple, à l'hôpital, quand tu es arrivé pour le vrai, là. Quand tu es arrivé à la vraie affaire, là, tu sais, à l'hôpital, là. Ouais, à l'hôpital. J'étais à l'hôpital. Puis là, quand la garde m'a dit, là, hey, elle dit, vous êtes le papa d'une belle grosse fille. J'ai pas pu m'empêcher, pas lui, j'ai dit. J'ai dit, dis pas à ma femme, moi, il fait la surprise moi-même. Oh, qu'il est joli ton cerf-volant. Approche que je le vois un peu plus. Mais où as-tu pris le tissu? Dans la nouvelle robe à maman. Aïe aïe, papa! Ah, dimanche matin, c'est la grand-messe. J'ai le dieu un peu, on joue aux cartes. L'après-midi, on a le choix. Ou bien on revient de sa gueule de bois. Ah ben non, on va à l'expo, Parc Belmont, à Plage Idée avec les enfants, à Plattsburgh, à Bémiscouin. Le lundi soir, soir de repos, les belles histoires et le dodo. Le mardi soir, le dauphin, ou le bowling avec les chums. À l'été, on joue souvent au softball, au badminton, ça dépend. Le quand du mouille, là, ben on va à taverne. Le mercredi soir du hockey, ou le baseball à la télé. Au jeudi, c'est les amis, le canasta, le romoli. Il y en a bien d'autres des jeux, il y a le 8, le 9, le 500, la dame de pique, j'aime ça, ça. Le bluff, le stud. Le jeudi soir, comme après la messe, on se couche tôt, on joue au bingo. Bingo. Et ça, c'est bon, moi j'aime ça, ça la même farce qu'au début. Le vendredi, la paye sur le bras, on dépense tout au centre d'achat. Samedi matin, je lave l'auto, mais samedi soir... Mesdames et messieurs, le magnifique, chic et somptueux Salon Vert Foncé de l'Hôtel Central est fier de vous présenter son cinquième spectacle de la soirée. Mesdames en vedette cette semaine, notre jolie danseuse de caractère, Rita. Et en grande vedette cette semaine, exceptionnellement pour vous en personne, vedette des dicks, de la TV, des clubs, des grandes tournées à travers la province, des long playing, des journaux, de la radio, les rois du rire, les arts de la fantaisie, des spécialistes du pestac, Teddy et Jerry. Le tout présenté par votre humble serviteur et Jean-Jean Mastrou, s'il vous plaît. Quand vient l'heure de vous rencontrer, ah, je suis heureux car je peux chanter. Je chante pour vous, vous mes amis. Mon cœur est plein de maladies. Bonsoir madame, salut monsieur. Vous avez l'air vraiment heureux. Moi fidèle à notre
notre rendez-vous ce soir. Je veux chanter pour vous, mes amis. Ce soir, je veux chanter pour vous. Oh, merci beaucoup, mes amis. Ce soir, je veux chanter. Olé, merci beaucoup.